Communiqué du monastère Notre-Dame des Sources Kiswichi en rapport avec la décision d'expropriation pour cause d'utilité publique prise par le gouverneur Moïse Katumbi Tshapwe. Le monastère Notre-Dame des Sources Kiswichi informe l'opinion nationale et internationale que depuis l'année 2011, une descente sur terrain effectuée par le cadastre en présence de M. Soula, conseiller juridique du gouverneur du Katanga, et de M. Mukasa, conseiller technique du ministre provincial des Affaires foncières, a conclu à l'empiétement et à l'occupation illégale de sa concession par la société de péage du Congo, Sopeco en sigle. Après plusieurs démarches infructueuses menées par le monastère Notre-Dame des Sources Kiswichi pour régler amiablement ce différend, le monastère Notre-Dame des Sources a saisi la justice qui, à tous les degrés, a condamné la société de péage du Congo au paiement des dommages et intérêts au profit du monastère. Au moment où le monastère entre dans la phase d'exécution de l'arrêt de la cour, il est surpris d'apprendre par la voix des ondes la décision du gouverneur Moïse Katumbi Tshapwe l'expropriant sa concession querellée pour sa cause d'utilité publique. Il est choquant et malheureux de constater qu'un fils de l'Église prenne cette décision grave et indigne de foi au mépris criant des lois et droits garantis constitutionnellement à tous. Parce que nul n'est au-dessus de la loi, le monastère Notre-Dame des Sources Kiswichi
trouve ici l'occasion d'inviter le chef de l'État, Son Excellence Monsieur Joseph Kabila, président de la République, qui se bat inlassablement pour instaurer un état de droit et assainir le climat des affaires, de constater que ses efforts sont bafoués par ceux-là jugés le servir en province. Le monastère Notre-Dame des Sources Kiswichi réaffirme devant l'opinion nationale et internationale que le temps de la jungle est révolu, que par conséquent, détenant tous les titres légaux sur sa concession, il usera de toutes les voies pour faire respecter ses droits, d'autant plus que la décision entreprise relève de l'arbitraire, car prise au mépris de la procédure légale y afférente. Qu'on se le dise. Merci. Bonjour madame. Vous représentez le monastère de Kiswichi à Lubumbashi. Une préoccupation qui nous prend. Aujourd'hui, vous avez décidé de pouvoir manifester juste par rapport à la l'arrêté provincial de l'expropriation. Voilà. Nous voulons savoir ta question là. Est-ce que le monastère détient les documents cadastrales lui donnant droit à cette concession? Et cette concession est de quelle superficie? Voilà.
Est-ce que le monastère détient les documents cadastrales lui donnant le droit de pouvoir sa propre, de la dotation de cette concession. De la concession et la concession même est de quelle superficie? Merci madame pour la question. Alors avant toute chose, je voudrais un peu corriger. Ce n'est pas moi qui représente la communauté. Il y a un supérieur, j'ai fait l'intérim. Mais s'il y a un problème, il faut intervenir. Il faut battre les fers quand il est encore chaud. Mm-hmm. Enfin aujourd'hui, on ne peut même pas élever ça à une grande manifestation, bien marche de colère, non, non. Nous voulons répondre à l'arrêté de son excellence, monsieur le gouverneur, puisque cet arrêté-là, évoquant l'expropriation, et nous le remercions aussi, il a laissé ouverte hein, ce communiqué-là en disant que le monastère a le droit de réagir. Donc nous voulons juste réagir, montrer notre réaction en faveur de cet arrêté. Sinon, s'agissant de notre concession dont nous revendiquons les droits, le total, c'est une dimension de 580 hectares. Donc, du côté où nous sommes et de l'autre côté, traversant la route jusqu'au rail, c'est notre concession. Donc, c'est un patrimoine de la communauté, de la congrégation qui doit être protégé. Nos aînés ont hérité ça et nous autres aussi, nous devons continuer à les protéger comme nos missionnaires et nos aînés l'ont fait. Voilà l'objectif de notre réaction. Oui, parlant de l'expropriation de votre concession, oui. Est-ce que la procédure qui était entamée, est-ce que la procédure sur laquelle le gouverneur s'est attelé vous a fait partie? Non. Nous avions appris comme tout le monde, hein, comme tous les communs mortels, sur la voie des ondes. Ce qui nous a surpris, pourtant, nous les considérons comme fils de l'Église, puisqu'il est passé aussi dans les mains des bénédictins. Nous sommes bénédictins et il est fils de l'Église catholique. Catholique, c'est-à-dire les portes sont ouvertes à tout le monde. S'il s'approche de chez nous, il est dans l'Église comme il a dû l'être à la cathédrale. Et il aurait pu venir soit nous rencontrer ou bien nous adresser une lettre. Comme ça, on cause à l'amiable, peut-être après et... Mais comme il l'a fait là, c'était très arbitraire. C'est pour cela que nous avons voulu réagir. Du moins, c'était très, très arbitraire. Depuis très... Il est allé vite en besogne, quoi. Du moins, la procédure n'était pas tellement légale. Qu'est-ce que vous souhaiteriez à votre niveau? Nous souhaiterions d'abord qu'il considère, puisque ce n'est pas un nouveau dossier. Ça a commencé bien avant. C'est allé même dans les mains de la justice jusque... au moment où nous avions gagné le procès. Il fallait qu'il exécute les jugements. Il devait exécuter les jugements qui a été prononcé. Et alors, nous, on s'attendait là. Mais quand il nous surprend comme ça avec une telle décision, bon, nous ne devons que réagir. Et quand on parle de l'expropriation, qu'est-ce qui devrait être exproprié? Et nous voulons en savoir plus par rapport à ça. L'expropriation, pour les cas présents ici, ça concerne plus l'endroit là où il y a le pont bascule. C'est notre concession et la surface qui est là nous appartient. Et c'est pour cela que nous devons revendiquer nos droits. C'est quelle dimension qui devrait être expropriée? Bon, c'est à peu près un hectare, hein, ou en dessous d'un hectare. Un hectare, c'est juste un hectare. Nous voulons aussi continuer l'enchaînement d'idées avec votre aîné qui vient de passer. L'expropriation dans l'arrêté du gouverneur parle de l'intérêt public. Est-ce qu'au moment où vous réagissez maintenant et que vous vous opposez à cet arrêté ministériel du gouverneur de province, n'est-ce pas vous êtes en train de combattre aussi cet intérêt public qui est revendiqué? Merci pour votre question et je pense que quand on parle de l'intérêt public, on n'exclut pas les moines et les monastères. Et d'ailleurs, notre existence, notre être ici au monastère, c'est pour l'intérêt public. Et l'intérêt public n'exclut pas aussi les droits et les devoirs de chacun. Quand on commence à bafouer les droits et les devoirs de chacun, ce n'est plus l'intérêt public. Et d'ailleurs, le gouverneur, c'est notre fils, parce qu'il a été élevé par les moines bénédictins que nous sommes. Il a été formé à l'internat de Kapolwe par notre confrère qui est encore en vie. Et
c'est nous qui avons fait qu'il devienne ce qu'il est à partir de nos études et puis à partir de nos expériences. C'est lui au contraire qui devrait justement protéger nos intérêts. Quand on parle de l'intérêt public, cela ne signifie pas qu'il faut se réapproprier la parcelle ou la concession de quelqu'un justement à cause de cet intérêt public-là. Parce que nous faisons partie de cet intérêt public. Et d'ailleurs, les œuvres que nous sommes en train de réaliser ici au monastère sont à l'intérêt public. Entre autres, le centre de santé que nous avons au village Kawama, justement, on soigne les gens, c'est à l'intérêt public. Nous avons l'internat qui est là, on est en train d'éduquer les enfants, on est en train de les enseigner. C'est toujours à l'intérêt public. Et puis, la protection de la nature aussi, c'est toujours à l'intérêt public. Notre nature englobe beaucoup de choses, et surtout en particulier les plantes. Il y a des gens qui viennent ici chercher des plantes, c'est pour soigner le public. Et en plus de cela, il y a des gens qui viennent se reposer ici chez nous à cause justement de ce bel air-là. Et raison pour laquelle on dit qu'on ne combat pas l'intérêt public. Au contraire, on est en train de lutter pour que l'intérêt public puisse avoir une bonne forme. Merci beaucoup. Et la dernière et la petite question, nous voulons savoir aussi, quand vous dites, quand vous parlez comme ça de l'intérêt public, nous sommes très contents. Mais on voulait savoir aussi, maintenant, qu'est-ce que vous, monastère Notre-Dame des Sources, vous revendiquez auprès du gouverneur de province? Voilà, le monastère Notre-Dame des Sources revendique la chose la plus importante, c'est de respecter les écrits ou les conventions qui ont été faites ou signées. C'est-à-dire, ils ont dit clairement qu'ils vont payer le monastère. Oui. Et malheureusement pour nous, ou heureusement peut-être pour eux, et c'est passé sur les ondes, comme mon confrère l'a dit, et nous étions surpris que cette partie-là devient à l'intérêt public, alors appartient à l'État. Alors, quelque chose qui appartient à l'État, l'État c'est moi, l'État c'est vous, et l'État c'est nous tous. Et un État qui ne respecte pas les droits, en tout cas, n'en est pas digne. Je pense que le gouverneur, justement, peut réfléchir en cette matière-là, et pour nous donner gain de cause, et puis qu'il voit justement, qu'il respecte ses écrits. Réaction sur les SAP, juste sur le gouverneur ou la province, il en ce moment, il y a expropriation due à intérêt public. Parce qu'il est péage, il comme balabala, due à intérêt public. Ça mouille le monastère qui suit. Ou à 4 mois, on a dû opposer, on a réagi, là, on a dû opposer, on a dû opposer, on a dû opposer, on a dû opposer. C'est-à-dire que on a dû opposer, qu'il est intérêt public. Batoto a katanga balebe kuna kufuata, baneza kubamba bukitukani. Aksanti sana na ulizo. Tunasema kama ile pont bascule, vile ulisema, aina mubalabala, ile pont bascule, iko mpango yetu, mpango ya monastère Notre-Dame des Sources. Na njo maana, wakati barijenga ile mpango, abakuya kutulomba siye rusa. Barijenga sa vile mpango yako, banajenga kwa shipo kukomba rusa. Na wakati tulibaita, watu ya guvernora barifika, watu ya kadastre barifika, na bengine, banasema ni kweli Mungu na haki. Mnajenga mpango ya monastere. Na njo pale balisema, tutalipa amand ya kusema ile tulijenga mpango ya mtu kwa shipo permission yake. Na njo maana siye tukunalite juu ya intérêt public. Intérêt public, haiwezi kutu-exclure siye wa mwane, haiwezi kutu-exclure monastere. Sababu kazi yetu tunatumika hapa, tunaishi ni juu ya intérêt public. Kwa kuokoa mioyo ya watu, kuokoa mioyo ya watu ni intérêt public. Na kama tunaishi hapa, tuko na centre de santé iko mugini Kawama, ni juu ya mafaa ya intérêt public. Na tuko tena na internat kwa masomo tunafundisha watoto, ni juu ya intérêt public. Na tuna protéger nature yetu. Nature yetu iko na vitu ya mingi, iko na madawa, inatunza watu ba mingi, ba malaria mingi, ni juu ya intérêt public. Na kuko wengine wanakuja kupumzika kuhoteleri yetu. Wale watu wanakuja kupumzika ni juu ya intérêt public. Ndio maana tunasema si tuko na appuyer intérêt public ile gouverneur. Sasa mwemu kuna lomba nini kwa gouverneur a partir ya hii decision anabeba? Mko na lomba kitu kani kile mwemu natafuta? Sisi tunatafuta kama gouverneur aheshimie ile maandiko. Sababu mbele ya kufanya manifestation na batoto, gouverneur aliandika na wengine wa juge, ilienda ku justice, waliandika kama watatulipa makuta. Lakini tulistuka tu ku matelevizion na ku radio, wanasema kama
il efface yetu, il mpango yetu, il n'a quoi à intérêt public. Alors que moule mou public n'a chez tout quoi mou. Njomana tunalomba, batu patie droit yetu. Accent. Accent.